L'homme est croque-mort, comme Sophie. Il a reçu aujourd'hui un cadavre qui l'a touché au cœur. C'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue. L'homme sort son rouge à lèvres et fredonne en commençant à maquiller le corps de la femme. La femme s'était noyée. Il y avait donc de la boue dans sa bouche et ses dents. Mais l'homme s'en moque. À ses yeux, la femme était toujours aussi belle. Soudain, l'homme regarde autour de lui. Après s'être assuré que personne n'était en service, il n'a pas pu s'empêcher d'embrasser le cadavre. Mon Dieu, c'était si bon. L'homme était tellement excité qu'il voulait faire autre chose. Mais il est trop tard et il doit essuyer les traces avec un mouchoir en papier et sceller la bouche du cadavre avec de la colle. Il a ensuite dit bonne nuit au cadavre et l'a poussé dans le congélateur, alors qu'il s'apprêtait à partir à la fin de son service. Soudain, l'homme a pensé qu'il avait laissé la porte ouverte et est allé vérifier à nouveau. Il donne quelques coups de main pour s'assurer qu'elle est bien fermée cette fois-ci. Mais avant qu'il n'ait pu faire deux pas, la porte s'est à nouveau ouverte. L'instant d'après, la femme s'est animée. L'homme a eu une peur bleue. Oh mon Dieu, éloignez-vous de moi.